Nouvelle année et bonne résolution. À Metz comme ailleurs en France, le mouvement contre la réforme des retraites se relance avec plusieurs milliers de personnes dans la rue. Depuis le 5 décembre, les grèves s'inscrivent dans la durée et pour les financer, c'est merguez, café ou encore caisse de solidarité. Malgré les annonces du gouvernement, pas de changement prévu de position syndicale. Non seulement l'HPV n'est pas retiré, mais en plus, le Premier ministre confirme sa détermination à reculer l'âge de départ à la retraite. C'est une annonce en trompe-l'œil qui ne change rien à la teneur très régressive de cette réforme. Au fait qu'il faudra travailler plus longtemps avec des retraites amoindries. Cette semaine, plusieurs professions se sont rajoutées au mouvement, comme les avocats ou les enseignants. Depuis début janvier, les actions militantes se sont multipliées en Moselle, dont de nombreuses manifestations dans la rue. Cette course de fond contre la réforme s'approche aussi des élections municipales de cette année 2020. Les candidats messins ont pu en faire les frais, comme ici François Grosdidier ou encore Christian Bémer. Les façades de leur permanence se sont vues affublées de stickers des manifestants.